Il existe un restaurant au centre-ville de Saint-Joseph à la clientèle fidèle, des habitués qui ont établi une relation très forte avec sa propriétaire, qu'ils appellent affectueusement par son prénom. Elle nous explique que l'endroit n'a pas toujours été un restaurant. Et avant, c'était restaurant, mais avant c'était commerce, alimentation. En 1936, mon père est arrivé ici. 36 jusqu'à 66, commerce, alimentation. Et après, il a fait restaurant. Irène, dont le vrai prénom est Laure, plus loin Reine, commence à avoir un certain âge et a beaucoup apprécié il y a quelques années que son frère la rejoigne. J'ai pris ma retraite en fin 2008 et après je suis revenu avec elle. Parce que comme elle travaillait tout seule, elle travaillait seule pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, elle travaillait seule, faisait cuisine, le service et tout, elle faisait tout, tout seule. Et après, quand je suis revenu de la retraite, là, je suis venu pour l'aider. De la période où l'endroit était une boutique, Idriss Aswad se souvient du célèbre carnet. C'était l'époque où il y avait des carnets, Ah, carnets si. d'échange. Il y avait un carnet pour celui qui achetait et le carnet pour le commerçant. Et en fin du mois, les gens venaient régler et il y avait en quelque sorte un confiance totale et mutuelle qui s'était installée. Voilà, n'en doutons pas, un petit reportage qui aura rappelé de bons souvenirs à bon nombre de Saint-Joséphois.